Continuité territoriale est une affaire, c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de l'État. Il a été rappelé ce matin, vous voyez comment la Corse est à la continuité territoriale. J'étais parlementaire, nous avons sans arrêt aussi demandé à ce qu'il y ait une continuité territoriale égale pour nous, pour nos Outre-mer. Et nous voyons ce qui s'était vu, ce qui s'est vu, c'est qu'on mettait ici... L'ancienne majorité n'a pas voulu de l'aide de l'État. L'ancienne majorité a voulu faire sa continuité territoriale toute seule en rejetant les aides d'État. Et ainsi, à La Réunion, ce sont 53 millions qui ont été engloutis dans la continuité territoriale. Nous voulons faire une continuité territoriale qui aide les plus petits. Les plus pauvres de La Réunion, ce sont eux qui vont bénéficier le plus de cette continuité territoriale avec l'aide de l'État, parce que c'est son devoir de le faire. Et vous savez, presque la moitié des personnes qui voyageaient tous les ans, ce sont des personnes qui ne sont pas de conditions modestes. 33%, j'ai dit, et même c'est au-delà de 33%, ils auront quand même une aide de la région à hauteur de 200 euros. Et ce que les Réunionnais doivent savoir, c'est que la continuité pour nos étudiants qui montent, qui descendent, nos étudiants doivent venir se ressourcer tous les ans, partir et revenir se ressourcer ici sur le territoire. Et ça, tous les ans, pour tous nos étudiants, il y a également la continuité funéraire. Et nous agirons également avec d'autres instances comme le conseil départemental qui s'en occupe aussi. C'est tout ce travail en commun que nous avons à faire. Notre terre n'est pas une terre de riches. Et c'est pour cela que nous devons mettre tout cela en commun. Nous devons protéger notre économie, monter et descendre. Nos commerces doivent vivre aussi ici à La Réunion.